Salut tout le monde, c'est Barry Onyx et on se retrouve sur Max Payne, donc pour le chapitre Laissez parler la poudre. Donc alors. Donc dalle. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose? Les titres des journaux étaient d'un rouge déprimant. La une des journaux était rouge sang. La tempête et les sirènes des voitures qui s'approchaient chantaient en dune. Quand vous êtes recherché pour meurtre, tout n'est que hurlement. Je m'y attendais pas du tout. Putain, merde. Ils sont shoot à la Valkyrie, eux. Le bâtiment était truffé d'explosifs. Non, ouais, ok, mais du coup... Marc, je sais pas si on peut passer par là. Les titres des journaux étaient d'un rouge dépris. La une des journaux était rouge sang. La tempête et les sirènes des voitures qui s'approchaient chantaient en dune. La une des journaux était... À chaque fois je veux sprinter, mais on ne peut pas sprinter dans le jeu. Bon, je vais prendre ça. Voilà. Il n'y a rien. Le bâtiment était truffé d'explosifs. Mais alors ? Ah, ok. Y a rien ici. Gramme.
camé à la recherche d'une dose, mais c'était bien plus sinistre que ça. Vous êtes bien, Monsieur Payne? Qu'il demande? Alfred Wood, vous devez vous dépêcher. La police est en route. Dites-moi plutôt quelque chose que j'ignore. Ils savent que vous êtes là. Comment? Ça ne vous regarde pas. Je vous recontacterai. Les flics arrivaient. Les sirènes hurlant leur chant dissonant dans ce cœur maniaco-dépressif. Je devais profiter des quelques minutes pendant lesquelles les hommes de SWAT allaient se mettre en place pour filer avant la scène. Max Payne, ici Jim Bravura, directeur adjoint de la police de New York. Lâchez votre arme et sortez, main sur la tête. Aïe. C'est pas la même. Mais y a rien ici, pourquoi ils ouvrent? Il me faut des entages. Quelqu'un avait laissé une lettre sur le comptoir. Soudain, tout prenait un sens. Les bombes, le chef de la mafia russe qui se déplaçait en personne. Gognitti était fidèle à lui-même, tout en parole et en merci. Après notre passage, le Russe n'a plus que quelques armes, et on peut les acheter. Il n'aura pas les tripes de tenter quelque chose après ça. Il s'avérait en fait que le Russe ne manquait pas de tripes. Une chose est sûre, si vous poussez un homme trop loin, tôt ou tard, il poussera à son tour. Je bouge plus! Oh putain... J'imagine que ça me... Non, même pas. Ça m'ouvre pas une porte ici. Là, peut-être. Ouais. Hey! Il s'est tué tout seul. Le gros con. Non, attendez. Les flics qui me poursuivent dans un vieux bâtiment délabré, ça me rappelle Hitman Contrast. Ah, ça fait du bien. Je peux pas passer par là. Oh punaise. Oh non. Bon ben on va tout recommencer puis je vais sauvegarder. Les titres des journaux étaient d'un rouge dépris. La pompe c'est mal adapté quand il y a plusieurs ennemis. C'est plus quand il y a un ou deux ennemis, pas plus. Les titres des journaux étaient d'un rouge. Oui. Primant.
aller chercher ça. Le fusil à pompe, du moins les munitions. Fait d'explosifs. Comme lui, par exemple. Voilà. Dites-moi quelque chose que j'ignore. Quelqu'un avait laissé une lettre sur le comptoir, mais sur l'étagère. Bouge plus, on veut donner l'assaut. Bien sûr, je crois que je vais me... Je crois que je vais me laisser faire comme ça. Oh. Il me fait trop marrer, lui. À chaque fois, il se bousille tout seul. Ingram en duo. Mais c'est pas vrai et j'ai oublié de sauvegarder. Oh putain. Bon, je vais pas récupérer le fusil à pompe, hein, directement aller là-bas. Les titres des journaux étaient d'un rouge déprimé. Ouais, je sais. On va sauvegarder. Voilà. Nickel. Là, ça va péter. Le bâtiment était truffé d'explosifs. Merde, je suis trompé de... Hop. Quelqu'un avait laissé une lettre sur le comptoir et sur l'étagère. Bouge plus! Hey! Mais non! T'es tout seul. Franchement, faut vraiment être con. On sauvegarde.
Voilà. Vous y êtes ? Oh putain, il a passé un sale moment, lui. Oh là là, à chaque fois je confonds avec la touche. Ouais, d'accord, et maintenant. Ah, ok. Les bombes avaient détruit les escaliers qui menaient au bureau de Lupino. L'autre chemin consistait à passer par les toits. Bon, on va continuer. Il n'a jamais fait aussi froid. Jamais. On dirait que le ciel va tomber. Ce sera deux épisodes en un. Pour rejoindre les toits, je devais atteindre l'ascenseur et franchir cette porte fermée devant moi. Elle est fermée, évidemment. Livraison de pizza. Je t'ai jamais vu. Dégage, Minus. D'accord, ok. Non, ne tirez pas, je suis pas... Tu connais les clowns à la laverie ? Moi ? Non. Alors je n'ai pas besoin de toi. Quoi ? Non, la laverie ? Oui, oui, je les connais. Le mec, comment il a réagi ? Il a l'air pas mal endormi en plus. Laverie. Oh, il n'y a plus de place. Voilà la laverie. Parce que peut-être qu'il veut me buter, je sais pas. C'est moi, ouvre, laisse-moi entrer, Marie. Vas-y vite, le mot de passe. On y va. Allez. Ok, prends ton air. C'est bon, entre. C'est vos pieds, c'est Payne. C'est Payne. Les machines à laver, elles font un bruit de... Elles font un bruit de... d'armes à feu, c'est incroyable. Ça sert à rien, mais je kiffe. On va se méfier.
Valkyrie représente. La police. La ville de New York est en crise ce soir. Il semblerait qu'une guerre des gangs liée à Valkyrie ait explosé dans le Bronx. Max Payne, déjà recherché pour le meurtre de l'agent spécial Boulder, plus tôt dans la soirée, aurait décidé de lutter seul contre ses anciens partenaires du crime. Parmi les victimes figurent les célèbres frères Finito, Joey et Virgilio de la mafia new-yorkaise, mais également Rico Muerte, enfui et suspecté de plusieurs meurtres sur Chicago. La police est en alerte rouge. Un avis de recherche a été lancé pour retrouver Max Payne. Jim Bravura, directeur adjoint de la police, a promis de prendre toutes les mesures nécessaires pour le remettre entre les mains de la justice. Reste à savoir en quoi consistent ces mesures. Harry Silver, en direct pour NYC LND. Oh! Il y avait quoi lui comme arme? End up anyway. Only. Mission pour Ingram. Ah ouais. Ah ouais, là c'est pas, ça va pas être la même là. Attends, c'est quoi ça? Ah ok. D'accord. Fermé. Voilà. Là, on est d'accord, là. Haute cadence de tir, avec beaucoup de puissance de feu. Ça le fait. Ils n'ont pas le temps de réagir. Qu'est-ce que vous foutez là? On est en train de se battre. Et qu'est-ce que vous faites? Rien, vous faites rien. C'est la guerre, mon Dieu, la guerre! Vinnie Cogniti, je crevais d'envie de le voir. Hey, tendu de fédéral! Je savais que quelque chose ne tournait pas rond avec toi. Qu'est-ce que tu crois? T'es un sale flic. Tu peux rien nous faire. Tu pensais que tu pouvais venir y acheter ton badge? Comme si c'était... Ah! Oh mon Dieu, tu m'as tiré dessus! Ah! Tu es un homme mort, Payne! Qu'est-ce que vous attendez, bande d'incapables? Oh, descendez-le! Descendez-le! Avec plaisir, patron! Exit Cogniti, j'ai fait comme Choi ou fait. Qu'est-ce qui est passé? Une lettre froissée se trouvait sur le bureau de Cogniti. La lettre était adressée à Don Punchinello, mais Vinnie n'avait jamais eu le courage de la terminer. Jack est devenu cinglé! L'autre soir, il a descendu Dino, parce qu'il voulait voir à quoi ressemblait la cervelle collée au mur. C'est un tordu, ce type! On est en train de perdre nos hommes et nos affaires! Cogniti avait vécu dans une peur macabre de son patron. Jack Lupino était un psychopathe. Vinnie Cogniti était mort, patrouille. Il pouvait courir, mais avec une balle dans le ventre qui tournait comme du tabasco, il perdrait rapidement son avance. Il savait où était son patron et je voulais mettre les choses au point avec Jack Lupino. Cogniti allait vite. Je ne connais rien aux anges, mais je sais que la peur donne des ailes. Oh!
Oh putain. Va falloir que je me retape tout ça, quoi. Bouge pas. Bon, c'est reparti. Non, ne tirez pas, je suis pas... Tu connais les clowns à la laverie ? Moi ? Non. Alors je n'ai pas besoin de toi. Quoi ? Non, la laverie ? Ouais, ouais, je les connais. Les dialogues, des fois, ils sont franchement cringes. Et non, c'est un jeu de domino. C'est bon, on arrive. C'est moi, ouvre, laisse-moi entrer, Magne. Passe vite, le mot de passe. On est blanc. Allez, ok, blanc pour nez. C'est bon, entre. C'est une pièce, c'est pire. Il est là. Ah punaise, j'avais pas vu tout ça. Oh, mon dieu. C'était de l'argent sale. Hein ? Non mais genre... Bouge pas. Non, ne tirez pas, je suis pas... Tu connais les clowns à la laverie ? Moi ? Non. Alors je n'ai pas besoin de toi. Quoi ? Non, la laverie ? Ouais, ouais, je la connais. Je l'ai tué. Mais c'est pas vrai, mais sans déconner. Et lui, je l'ai tué en balançant un grenade sur lui. Leur réaction quand il meurt, ça me fait trop marrer. C'est tellement caricatural. Et l'autre qui se ramène alors qu'il y a du feu. Ah, je te jure. Mais que des cons ces mecs. Et voilà. Max Payne, tempête meurtrière. Directeur adjoint, police Jim Bravour, prendre les mesures nécessaires. Je vais sauvegarder. Faut vraiment que je pense à sauvegarder parce que sinon, à chaque fois, je dois tout me retaper. Et c'est pas agréable. One address unknown.
one to go. He's the last person. But that's where I always end up anyway. Only, it's not me talking to the pink flamingo, but someone who looks the part downstairs. Except that he's not. On peut pas passer le... Je sauvegarde. Une lettre froissée se trouvait sur le bureau de Cogniti. Pas du... Ah non, c'était... Je pensais que... Vinnie Cogniti était mort. Il pouvait courir, mais avec une balle dans le ventre qui brûlait comme du tabasco, il perdait rapidement son avance. Il savait où était son patron et je voulais mettre les choses au point avec Jack Lupin. Cogniti allait vite. Je ne connais rien aux anges, mais je sais que la peur donne des ailes. Attendez, mais je vais dans la bonne direction là ou... À mon avis, ça se passe sur les toits la poursuite. Hein, je me suis foiré, je crois. Il est rentré ici pourtant. Attendez. Non. Non. Ah, je pense que non, c'était bon. Où est-ce qu'il a bien pu passer? Non. Peut-être par là.
Mais putain, où est-ce qu'il est passé ? Mais là, je comprends pas, là. Que je me suis trompé. Peut-être qu'il fallait pas aller là. Ah, peut-être là. Eh oui. Gogniti avait fait du stop. Je devais le suivre pour le rattraper. Merde. Bon, bah maintenant je sais que. Une lettre froissée se trouvait sur le bureau de Gogniti. On va y arriver. On va y arriver. Vinny Gogniti était mort, patrouille. Il pouvait courir, mais avec une balle dans le ventre qui bondait comme du tabasco, il perdrait rapidement son avance. Il savait où était son patron et je voulais mettre les choses au point avec Jack Lupin. Gogniti allait vite. Je ne connais rien aux anges, mais je sais que la peur donne des ailes. Gogniti avait fait du stop. Je devais le suivre pour le rattraper. Et voilà. C'était mon deuxième voyage en train de la soirée. La manière dont il commençait ne présageait rien de bon. Le vent glacial griffait mon visage comme du papier de verre avec des lames de rasoir. La glace collait à mes mains et à mes pieds. Au lointain, le hurlement des sirènes. La ville hurlait après moi. New York défilait. Les toits sombres des châteaux d'eau, la forêt immobile d'antennes et de cheminées, tout était flou. Gogniti décida de bouger lorsque le train ralentit. Il s'est loupé, hein. Il s'est loupé, j'ai pas rêvé. Bon, en tout cas, ce sera pour une prochaine fois. Je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures sur Max Payne. C'était Barry Onyx, prenez soin de vous et ciao tout le monde.